Sophie, nous avons le plaisir de t'accueillir et avec Milena, qui va rester silencieuse, je vais te souhaiter en notre nom à toutes les deux la bienvenue. Merci beaucoup à vous. Merci. Quand tu te sens prête, tu inspires profondément et puis tu nous expliques pourquoi on est réunies toutes les trois aujourd'hui. Alors, donc dans un premier temps, la chose que j'avais envie d'aborder en premier, c'est l'angoisse. Donc une sensation d'angoisse que j'ai depuis toute petite et qui m'a amenée, je pense, à différentes dépendances. Donc déjà des difficultés à m'endormir. Donc quand j'étais petite, je lisais jusqu'à point d'heure. Puis à l'adolescence, j'ai fait des crises d'anorexie jusqu'à ce que je tombe inconsciente sous la douche. Donc là, je me suis remise. Puis après, c'était plutôt l'inverse. J'avais une dépendance au chocolat. Donc vraiment, je faisais des crises de boulimie à sortir dans la nuit, chercher du chocolat. Donc je grossissais, je me sentais pas bien, etc. Plus tard, ça a été plutôt tout ce qui est haschich, enfin la fumette, donc de l'herbe, de l'alcool, la cigarette. J'étais préservée, je ne suis pas tombée plus loin. Et actuellement, c'est plus donc les écrans le soir, toujours des difficultés à dormir, donc c'est rester devant les écrans. Et avec cette sensation, quand j'étais petite, donc là j'ai beaucoup travaillé dessus, donc c'est vraiment très cyclique, mais quand ça me prend, c'est très fort. Donc quand j'étais petite, c'était au réveil, j'avais ce nœud dans l'estomac continuellement, quoi. Et ça m'a amené à faire le clown aussi la journée. Et donc du coup, j'ai même été tabassée pour ça. Voilà. Du coup, ça peut me saisir complètement et ça peut m'entraver complètement. C'est vraiment, je le sens au niveau énergétique, ça me tétanise des Donc, fois. tout ce que tu as mentionné, ces addictions, ces refuges dans la drogue, même légère, donc selon toi, c'était utilisé pour pallier l'angoisse qui À t'oppressait? mon avis, parce que c'était beaucoup utilisé le soir aussi, ou quand je suis avec d'autres. Bien. Tu parles du Voilà. passé. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore ces angoisses et comment est-ce que tu gères ces angoisses? Voilà. Donc aujourd'hui, je vais peut-être y venir au fur et à mesure. Enfin oui, aujourd'hui, en fait, ça m'a poussé cette angoisse. De manière positive, m'a poussée à chercher de l'aide. Donc depuis toute jeune, je crois depuis mes 17-18 ans, je vais chercher de l'aide auprès de thérapeutes. Et donc j'ai trouvé des outils au fur et à mesure, à travers aussi l'enseignement que j'ai découvert, des outils plutôt de la respiration, du centrage sur soi qui me permettent de gérer ça beaucoup mieux. Mais ça reste dans cette difficulté à s'endormir et dans la journée, des fois, ça peut me saisir et ça peut me paralyser. Donc, du coup, la mémoire n'est pas là. J'ai l'impression d'être déconnectée des fois. Voilà. Ça répond à ta question. Oui, continue. Sinon, au niveau vie sentimentale et sexuelle, donc là c'est zéro depuis 17 ans, depuis la naissance de mes filles. Et depuis que j'ai commencé ma vie sentimentale, c'est compliqué. Donc soit j'aime en cachette, ou alors j'ai des relations de courte durée, la plus longue étant avec donc le père de mes filles, où j'ai eu la chance d'être maman. Et donc j'ai jamais eu de sexualité épanouissante avec un partenaire. Et il y a eu des attouchements avec mon frère qui avait 4 ans de plus que moi. Voilà, donc cycliquement, j'ai quand même une sensation de solitude qui des fois n'apparaît pas, mais qui revient avec la sensation que je passe peut-être à côté de quelque chose, quoi. Même si, donc quand j'étais avec mes filles, je ne ressentais pas forcément le besoin. J'étais vraiment assez exclusive avec mes filles, quoi. Donc ça aussi, ça rejoint le fait que je me mette en retrait souvent. Donc quand j'étais plus jeune, et bon, ça je le travaille aussi. J'avais des phases très hautes où j'étais super sociable, des phases très down où vraiment je me calfeutrais chez moi qui se retrouvent encore. Je me mets souvent en retrait, je m'enferme un peu dans ma grotte. Sophie, je vais te demander de tenir ton micro comme ça, parce qu'il n'y a rien à faire. On D'accord. entend aussi autant les bruits de souffle que ta présentation.
D'accord. Et donc, il y a des peurs qui sont plus présentes actuellement. C'est mieux le son, ça va? Ah, c'est parfait comme ça. Et qui vraiment qui viennent dans ma tête. Donc, c'est la peur de manquer d'argent. Ça me paralyse. Ça m'empêche de faire beaucoup de choses. Et ces derniers temps, ce que j'ai vraiment vécu très fort, la sensation d'avoir fait une faute grave. Alors ça me prend, ça me tétanise et ça me met en retrait des amis qui me sont chers, surtout auprès de, enfin, ça ne me met pas en retrait par rapport à mes enfants, mais quand on parle de mes enfants, tout de suite, sentiment de culpabilité qui monte, ou quand je fais quelque chose auprès des amis qui sont chers, ou par rapport à mon travail, donc je travaille à l'éducation nationale, sentiment de faute. Ça me prend, c'est voilà, la culpabilité. Donc ces peurs sont assez paralysantes et du coup elles me, pareil au niveau de la mémoire, elles me déconnectent quoi. Donc en sachant que tout ça, tout ce qui traverse dans ma vie est aussi un appel que j'ai depuis toute petite, un appel qui vient de l'intérieur, comme un besoin de rentrer chez moi. Je sais pas trop comment le d'écrire, ça m'a poussée, donc, comme dit, à chercher de l'aide, des thérapies, et j'ai rencontré cet enseignement auprès d'Anne-Marie. Et donc, nous avons créé une association autour de cette activité pour la soutenir, au niveau logistique. C'est pour moi un investissement important. Et à travers Alors, cette. Oui. qu'est-ce qui a animé la création de cette association? Quelle était l'intention portée par tous? Donc, c'est de soutenir donc des activités dont le but est l'épanouissement de la personne humaine. Donc, plus par. Voilà. Et soutenir donc dans la logistique. Et donc à travers cet investissement, j'ai eu deux chocs émotionnels vraiment importants. Donc le premier, c'est donc le papa de Juliette qui a fait une lettre de dénonciation donc auprès de Anne-Marie, dont on soutenait les activités, enfin dont on soutient les activités, et auprès de nous. Donc l'association. Donc au départ, on ne savait pas du tout d'où ça venait. Donc les participants aux activités étaient interrogés. On ne savait pas d'où ça venait. Et après, je suis passée au commissariat en tant que trésorière. Et ça m'a fait un choc dans le sens où tout ce qui me permettait, enfin, ce qui me permettait d'avoir une respiration, où j'avais la sensation de me développer, a été attaqué. J'ai du mal à le décrire, mais je sais que j'ai été malade après, enfin, j'ai vraiment eu un choc. Et Les le deux. activités principales autour de cette association, c'était quoi? Donc, c'est des outils pour essayer de libérer de la conscience. Donc, c'était des ateliers par la parole? Alors, des ateliers par la parole, par des outils, la respiration, c'est la relaxation holistique, donc c'est se relier à son soleil intérieur. C'était ça l'outil, jusqu'à ce qu'on découvre, enfin Anne-Marie découvre et nous fasse découvrir la HRU, avec ses outils à elle qui sont vraiment très précieux. Et donc au sein de cette association, j'ai aussi, et puis de ces activités, j'ai connu. Donc une femme qui est devenue mon amie avec mes filles et avec laquelle on faisait des activités et qui a tué trois de ses enfants. Donc pour ça, il y a une session qui a été faite avec Callot où à travers donc Jean-Paul, la conscience de Christine a été mise en lumière. Canalisé. Oui, voilà, c'est ça. Et donc le troisième choc, c'est donc la mort de Marie, la mère de Juliette, du cancer du sein, qui a été plusieurs fois présidente aussi de cette association. Donc voilà, j'avais envie de le mentionner pour voir un peu quelles auraient pu être les conséquences ésotériques, parce que ça a été vraiment des chocs émotionnels, physiques importants. Un Cette autre point, association, elle existe toujours aujourd'hui? oui. Même si l'activité est très réduite, les membres sont réduits. Et en sachant que donc Anne-Marie et une autre membre très proche, qui sommes là depuis le début, ont également fait des sessions à Nice. Alors j'ai une curiosité tout de même. Et, Sophie, si cette amie Anne-Marie pratique la HRE, qu'est-ce qui fait que tu viennes à moi et que tu ne Non, fasses pas elle un travail pratique. finalement avec elle? Ouais, non, elle pratique pas la chaire, elle a fait une session. Et elle nous Ok. a, c'est elle qui nous Quand tu a. parlais de pratique d'outils, Ah oui, non. ça m'a rendu confuse. Oui, Ok. d'accord. C'est elle qui nous a fait découvrir. Bien. Voilà.
Donc un autre point, c'est que j'ai l'impression de regarder ma vie sans être dedans. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup, qui me frustre. Donc avec l'impression de rester en superficialité, des difficultés à mémoriser. Des fois, je peux avoir de longues conversations avec quelqu'un et j'ai du mal à reprendre les mots. Il faut vraiment que je fasse un gros effort pour rester présente. Donc, je n'ai pas beaucoup accès à mes rêves. Et des fois, quand je fais des siestes, je peux partir en image et tout d'un coup, c'est comme un sursaut, une peur, comme si on voulait me couper. Enfin, j'ai une drôle de sensation. Et donc, depuis petite, je cherche un sens, une place ici. Et ce que j'ai envie de dire, c'est vraiment, je serais heureuse d'entendre ce qu'a à dire ma conscience si elle le souhaite, quoi. Voilà. Et il y a une sensation aussi de, une question qui me taraude, c'est comment contribuer. Et puis j'ai un côté un peu bisounours comme ça aussi, le fait de ne pas être présente, je peux passer à côté de situations qui demandent de l'attention et en rester un petit peu à la surface. Donc d'où une difficulté de positionnement aussi, je pense. Je fais un peu de petite souris, j'ai un peu du mal à me positionner. Voilà, donc tout ça, ça me donne une sensation de lourdeur, d'enfermement. Des fois, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose là qui appelle, mais que c'est enfermé. Voilà. Et donc, physiquement, ben, en gros, je suis quand même en bonne santé, hein, vraiment. Je remercie. Je peux avoir des crises d'urticaire, mais alors vraiment, il n'y a aucun déclenchement. C'est paf, et c'est localisé aux cuisses. Mais alors, ça brûle, ça démange, ça vient, ça repart. C'est très bizarre. Une douleur au niveau des omoplates. Alors là, je montre le geste. Une douleur qui prend comme ça, entre les deux omoplates, derrière le cœur. Qui, avec le dos qui voûte, difficulté à marcher longtemps, alors du coup. Des vertiges qui peuvent me saisir aussi. Quand je me couche, je tourne. Des grands vertiges qui font que des fois, je ne peux pas me lever pendant plusieurs jours. Et quand je traite le foie, ça va mieux. Et le foie, c'est un peu mon point faible. Depuis que je suis petite, j'ai fait d'énormes crises de foie enfant. Et voilà, et actuellement, j'ai une douleur à la cuisse droite très bizarre. Voilà. Et sinon, voilà, ben, j'aspire à être plus présente, vivante, à libérer ma conscience et plus ouverte. Et j'ai fini. Tu vas me donner une seconde. Je vais vérifier que rien n'était omis. Ok. Quand tu parlais du décès de ces enfants, donc les enfants de la dame qui a participé à cette association, qu'est-ce qui reste émotionnellement en toi? Comment est-ce que tu te sens liée, si c'est le cas, à cette situation? Eh bien, quand tu en parles, il y a encore de la tristesse à l'intérieur. Mais depuis que j'ai vu la session de Jean-Paul, qui a été la session de Christine aussi, ça va mieux, beaucoup mieux. Et il reste... j'y pense, mais il y a moins d'émotion. Il reste quand même un brin de tristesse là à l'intérieur quand tu en parles. Ça se passe bien avec Juliette? Oui. Enfin, franchement, depuis sa session, là, on a échangé des snaps. Elle est d'une présence, d'une maturité. On peut parler ensemble de choses. C'est incroyable. Vraiment. Et on l'a tous senti autour d'elle. Parfait.
Bien. Alors, on démarre. Sophie, un clic sur le micro, si tu veux bien. Oui. Yamina, est-ce qu'on peut commencer? Oui, j'ai vraiment besoin de toi parce qu'il se passe plein de choses et je commence à m'énerver. J'ai senti les mêmes fréquences. Alors, allons-y. Alors, je dois te dire que il y a une troisième partie, troisième comme personne qui veut absolument m'utiliser, qui dit tout le temps que c'est eux qui ont cherché à Sophie, que Sophie vient de leur peuple et que ce sont eux qui nous ont comme engagés pour ce travail et absolument veulent canaliser, veulent communiquer à travers moi. Et moi, je m'énerve parce que je fais pas confiance, tu sais, quand tu n'es pas là. Bien. Tu la vois, elle, sans te laisser distraire par les autres. Oui, donc tout a commencé avec elle. J'ai apparu devant elle. Et c'est vrai, la première chose que j'ai ressentie, douleur côté droit à l'intérieur de la tête. Et elle a, en anglais, on appelle ce truc drill. Tu sais, le bout de la perceuse qui tourne, qui fait le trou. Mais je ne sais pas comment ça s'appelle en Oui. français. C'est assez grand, métallique, et ça tourne tout le temps. Et je vais t'expliquer qu'est-ce que ça donne, parce que quand je l'ai rencontrée, il n'y avait pas de décor, mais elle maintenait comme le bout de terre dans ses mains. Je lui ai posé la question, à quoi ça sert cette terre dans ta main? Et j'ai lu moi-même la réponse qu'elle était dans une création où elle jardinait, mais tout de suite ce truc lui a proposé comme réponse, j'ai enterré quelqu'un. Elle commence à paniquer parce qu'elle pense qu'elle vient d'enterrer quelqu'un. Donc ça Ça la difforme. confond, oui, ça difforme, ça la confond. Elle Déforme. est toujours en stress. Elle ne peut pas se rappeler qu'est-ce qu'elle faisait il y a 5 minutes. Ça cause comme Alzheimer, tu sais, oui, elle est toujours stressée parce qu'elle ne se rappelle rien. L'apparence est la sienne. Écoute, je veux dire, je reconnais son visage. Les cheveux sont presque violets, beaucoup plus longs que qu'elle possède sur son corps physique. Et ce qui me, c'est très bizarre, parce qu'elle a des taches. Et je sais que naturellement, comme salamandre, tu sais que naturellement, elle devrait être aussi violâtre, mais elles sont jaunies comme s'il y avait la peau, tu sais, ce truc jaune quand il y a de blessures. Comment? Du pu. Pu, ouais, pu. Et il, dans ses taches naturelles, ces êtres qui la possèdent sont comme en train d'élever sorte de bactéries énergétiques, et c'est comme si elle était un grand élevage, c'est comme si elle faisait partie d'une expérimentation, et là où les taches, il y a ces élévations de ces bactéries, c'est comme si quelqu'un voulait la rendre malade au niveau subtil. Et ça cause pas la douleur subtile, mais ça la rabaisse, c'est comme si elle ne se sentait pas comme jolie, comme si, c'est comme si elle savait que quelque chose n'allait pas avec elle, mais elle ne sait pas quoi. Milena, tu parlais de tâches naturelles. Pourquoi dire qu'il s'agit de tâches naturelles? Ah, parce que cet être qui me communique veut absolument communiquer à travers moi avec elle. Ils sont comme ça, sauf que la différence, qu'ils n'ont pas de cheveux. Je veux dire, ce sont comme les êtres humains qui sont Certes, comme des mais salamandres avec les réellement, taches. ces tâches dont tu parles, ça fait partie d'elle. Ça fait partie d'elle, mais elle n'est pas terrestre, je veux dire. Elles sont comme ça, avec ces taches violâtres. Pourquoi ces tâches, si elles sont naturelles, sont devenues comme l'objet de cette expérimentation? C'est comme si dans ses tâches, il accumulait sorte d'une électricité subtile
C'est comme les caméléons, ils peuvent communiquer à travers ces tâches leurs émotions, leurs. Leurs affects. Ouais. C'est comme ils se lisent à travers ces tâches. Regarde l'ADN. Est-ce qu'il correspond bien à notre corps physique, celui-là qui est avec nous, Milena? Je veux dire, elle peut vivre très bien dans notre corps, c'est juste qu'elle n'a pas, qu'elle garde ses tâches. C'est comme si elle se identifiait énormément avec ce type d'être humain. Ouais. Ouais. Combien Mais ça ne sont-ils? dérange pas au corps physique, pas les tâches, les bactéries plutôt. Combien sont-ils avec elle? Non, il n'y a personne avec elle maintenant. Elle est seule, dans aucune création. Tu disais il y a un instant que quelqu'un voulait canaliser. Oui, mais c'est quelqu'un de loin. Et en fait, l'idée, parce que c'est très chaotique ici, parce qu'elle est permis de changer les créations en créations pour ne pas être trouvée précisément par ces êtres tachés. Et c'est taché comme s'ils sentaient culpabilité qu'elle n'est plus avec eux, la cherchent et veulent m'utiliser. Pourquoi les créations sont mouvantes? Qu'est-ce qui les rend ainsi? Elle a même permission de créer ce qu'elle veut, mais après tout de suite, elle oublie ce qu'elle a créé. Précisément quand elle est dans une création, elle est comme enfermée dans un espace et on ne peut pas la détecter. C'est précisément pour que les autres ne puissent pas la trouver. C'est comme si elle Admettons. était toujours déplacée. Admettons. Ces créations qui lui sont permises, est-ce qu'elles vibrent à une fréquence haute ou basse? Par exemple, ce jardin vibre à la fréquence haute, mais ce n'est pas que toujours dans ses propres créations. Elle peut être. C'est parfois l'heure, là où elle stresse énormément, et parfois la sienne. Mais toujours en cachette. Je veux dire, ses créations sont comme des Oui. cachettes. On Et perd le justement, contact avec elle. justement. Nous savons bien que souvent, ce qui nous rend indétectables, c'est la valeur fréquentielle qu'on est capable d'émettre. Ces créatures-là ne s'intéressent pas à des hautes fréquences. Tu parles de création cachée, mais est-ce que c'est la fréquence qui permet qu'elle soit cachée ou autre chose? C'est comme si, non, c'est autre chose. Quand elle est dans une telle création, elle se coupe de tout. C'est comme si c'était son univers entier. Elle est complètement coupée de tous les autres sens. Je veux dire, vraiment, elle est comme dans la. Il existe que pour elle que Sorte de ça qui. bunker. Ouais, voilà. Voilà. Est-ce Et qu'elle est puisque. tout le temps dans ce type de création, si hermétique? La plupart du temps, oui. Ouais, la plupart du temps, Alors on elle reste sur vibre. ça. Suis-moi, on reste sur ça. Sur cet aspect bunker dans l'énergie. Est-ce qu'il y a une influence à cet enfermement, je vais me permettre de l'appeler ainsi, sur sa vie énergétique? Oui, parce que ça cause cette angoisse, parce que il y a rien, ça, tu sais, ça m'énerve ce chaos qui existe dans son Autour. monde énergétique, parce qu'elle est déplacée dans des créations différentes et il n'y a rien du stable, tu sais, ici. Ça cause des angoisses au niveau physique parce qu'il n'y a pas de stabilité, il y a toujours, tu sais, du changement. Cette même idée d'enfermement, est-ce qu'il y a un impact direct pour sa condition humaine? Oui, parce que c'est comme si quand elle est dans ses créations, elle ne pense pas à son corps physique. Je veux dire, elle est totalement dans l'action qui peut se passer dans ses créations. Donc, c'est comme si elle oubliait totalement qu'elle a un corps, qu'elle a une vie physique, qu'elle est incarnée, etc. Donc, ça augmente encore ses angoisses parce que le corps se sent abandonné, comme sans Mais appui intérieur. nous avons parlé d'un jardin. Dans quel autre type de création se trouve-t-elle? J'arrive pas à les énumérer parce qu'elles changent. C'est ça Nommez-en peut. deux. Oh, donc par exemple, avant le jardin, aujourd'hui, elle était déjà dans une création. C'est comme si c'était
une ville après la guerre, pendant la nuit, que les bâtiments sont démolis et qu'il y a des flammes, mais il n'y a personne. Je veux dire, il n'y a jamais aucun être humain, aucune. Elle est toujours seule dans ses créations. Ces créations dont tu parles sont extraites de sa propre mémoire ou pas? Non, non, non. D'où viennent-elles? Quelle est la Alors, source de ce bâtiment? Je viens de t'expliquer. Parfois, elle a droit, puisqu'ils veulent comme épargner leur énergie pour créer ces bunkers, elle a droit de temps en temps de créer ça, ce qu'elle veut, elle. Donc, par exemple, le jardin. Mais après, tout de suite, c'est comme ça n'existait pas, même si ça lui a fait un court plaisir. La plupart de ces créations, ça vient d'eux et de leur machine et donc de leur savoir de l'histoire terrestre, des humains terrestres. Mais ça, ce ne sont pas ces histoires, pas forcément ces histoires. Yeah. Ouais. Qu'est-ce qui te perturbe le plus? Sa condition, elle, ou ses créations mouvantes autour? Tout. Tout est... C'est comme si rien ne s'arrête. Je veux dire, on est debout, elle ne marche pas, elle est devant moi, mais tu as toujours cette sensation que dans chaque seconde, tout peut changer, qu'il n'y a rien stable. Tu sais que c'est comme si peut-être ça vient d'elle, qu'elle est toujours perturbée, qu'elle est toujours distraite par quelque chose. Et tu as la sensation que tu dois te dépêcher parce que dans 5 secondes, tout peut changer. Nous sommes dans le présent en 2024. Oui. Bien. Ouais. Restreins ton focus. Limite ton focus uniquement à identifier les fréquences dans son corps à elle. Elle est triste avant tout. Elle est triste. Triste. Elle est là. Elle oublie ce qui lui arrive, mais elle sait qu'elle n'est pas bien. Elle sait qu'elle n'est pas bien. Elle est génératrice uniquement d'une fréquence de tristesse. C'est l'émotion qui est partout dans son corps, qu'elle ne comprend pas pourquoi, parce qu'elle a des problèmes avec la mémoire. Elle sait juste que quelque chose ne va pas. Et oui, c'est l'émotion la plus répandue dans son corps. Oui. Partant de ce principe-là, et partant du fait que le rapport avec ses propres mémoires est confus, qu'est-ce qu'on fait là? Comment est-ce qu'elle s'organise pour nous faire venir d'eau? Elle a oublié. Justement. Qu'est-ce qu'on fait là, alors? Elle pense que, en fait, elle dit que quand elle avait le contact avec son corps physique, elle a pris cette décision, mais après, elle a oublié qu'on va venir, et aujourd'hui le corps physique lui a rappelé qu'elle doit être prête pour cette rencontre. Mais le corps physique lui a rappelé. C'est comme si elle nous connaissait, en même temps elle ne sait pas d'où elle nous connaît, pourquoi on est là. Donc ça signifie tout de même qu'il y a une forme de cohésion d'entre les deux corps. Il y a des moments où elle doit être avec son corps. Je veux dire, elle est toujours dans son corps, mais quand elle est enfermée dans ses créations, elle oublie d'être incarnée. Mais elle doit passer certain temps en relation avec son corps, sinon elle va causer la mort prémature du corps. Prématurée, oui. Comment cela serait-il rendu possible, Milena? Quand elle est dans ses créations, elle n'envoie pas l'énergie à son corps et le corps pourrait se détériorer, tu sais, attraper les maladies, c'est comme son système immunitaire. Tout ce qui relève de ce que Sophie a mentionné en termes de déconnexion, être dans son corps sans finalement être aux commandes de ce corps. Oui, c'est parce qu'elle passe beaucoup de temps en connexion coupée avec sa vie, avec son corps physique, oui. Je veux dire, elle est dans son corps, mais mentalement, totalement, elle est prise par ses décors, par là où elle se trouve. Comment se fait-il que les premiers
ceux qui se sont adressés à toi, ceux qui voulaient canaliser même, tout à coup soient devenus silencieux. Je sais pas, et parce que c'est pourquoi je voulais que tu arrives, parce que c'est comme si moi je peux me focaliser sur elle, et quand je me focalise sur elle, je ne leur permets pas de me parler. Pourquoi sont-ils devenus silencieux? Parce qu'ils se sont éloignés? Qu'est-ce qui a changé? Parce que c'est comme si toi, tu dirigeais mon attention. Quand tu n'étais pas là, mon attention était comme divisée en plusieurs. Je veux dire que c'est comme j'essaie de voir tout. Et là, quand on travaille, tu comme canalises mon attention. Et quand je m'occupe que d'elle, je coupe toute communication avec. Mais l'autre aimerait, ben bien sûr qu'elle aimerait parler, oui. Qu'est-ce qui l'empêche de se rapprocher? C'est le mot culpabilité. Répète. Culpabilité. Dis-lui de venir. Ah oui. Pendant qu'il approche, décris-le. Ils sont nombreux. Il y a une personne seule qui voulait canaliser à travers moi. Ils ne portent pas le vêtement. Et ils sont comme nus, mais pas de sexe en bas. Je veux dire, les femmes ont de seins, mais ils ne sont pas divisés en bas, je veux dire, en sexe. Et c'est une femme qui voulait me parler, mais il se passe une chose très bizarre. Moi, je le vois, et Sophie ne peut pas le voir. Tu vois ces êtres, est-ce qu'ils sont dotés d'un ADN humain, oui ou non? Ouais, ils sont humains. Bizarre, mais humains. Incarnés, désincarnés? Incarnés, quelque part. Très loin. Oui, incarnés. Est-ce qu'ils sont porteurs des mêmes tâches, ces tâches naturelles? Oui, précisément. Sauf qu'ils n'ont pas de cheveux. Sophie a des cheveux. Et ça me paraît très artificiel, ces cheveux. C'est comme les cheveux d'une poupée. Comme ils les sont cheveux nombreux, plastiques. Tu as dit. Donne-moi une idée du nombre. 10 personnes. Dans l'apparence masculine et féminine, les deux oui, ils sont sans avoir d'attributs en bas sexuels. Ouais. Ouais. Ok. Dis-moi une chose, avant même d'avancer, oui ou non, est-ce qu'ils sont connectés les uns avec les autres, notre Sophie inclue? Ils étaient ensemble, ils formaient un groupe avant, et après Sophie est restée ici, ils veulent la récupérer. Ils disent que c'est leur faute qu'elle est ici. Oui ou non, ils sont connectés? Non, pas d'accès à elle, non. Tu dis qu'elle ne les voit pas? Non, ne peut pas les voir. Il y a quelque chose en elle, quelque chose mis en elle pour ne pas les voir, ouais. Alors qu'est-ce qui peut me convaincre qu'elle nous voit? Parce que la minute d'après, elle ne sait même pas pourquoi nous sommes là. Non, elle me voit. Elle me et voit. Pourquoi elle te voit, toi, et pas les autres? Parce qu'elle était programmée, qu'il y a quelque chose mis en elle pour qu'elle ne voit pas le sien, pour qu'elle ne les entende pas, et c'est pourquoi elle est cachée aussi dans ses créations, pour qu'eux n'arrivent pas à la trouver. Ils sont pourtant là, ils étaient tout prêts. Oui, mais c'est pourquoi ils voulaient m'utiliser pour communiquer, ils n'arrivent pas à communiquer directement avec elle. Pourquoi une conscience souhaiterait l'empêcher, elle, de communiquer avec les siens? Parce qu'ils étaient 12 au début. L'un les a trahis et comme a sacrifié Sophie. Et Sophie reste sur Terre dans le pad de ces êtres qu'il a utilisé pour cet élevage. Et tu as dit que parmi les autres, d'autres sont incarnés. Il s'agit d'une incarnation terrestre ou à l'extérieur de la Terre? Non. Elle était trahie quand il sortait de la Terre. Et les autres sont rentrés chez eux. Mais aucun d'entre eux n'est resté sur Terre, mais il continue de la chercher. Celui qui a trahi est aussi emprisonné ici, mais eux, ils ne veulent pas le libérer. Il arrive pour Sophie.
Prends le temps, d'accord. Parce qu'il y a Ouais. eu une forme de doute en toi dès le départ. Parce que je ressens colère, culpabilité. C'est comme si cette femme n'est pas gentille, je veux dire, avec moi. Elle dit, nous, on t'a loué. Mais Confirme que en même l'ADN est temps, bien humain et que ses intentions correspondent aux nôtres. ils n'arrivent pas à se pardonner. Faisons ainsi. La femme dit-lui que je ne souhaite pas lui parler, qu'elle ne sera pas entendue. Toi, tu en choisis un que tu vas préférer canaliser. Choisis-le toi. Une autre femme. Dis-lui que oui, je consens à parler avec elle si tu me le permets. Oui. Laisse-moi directement, directement avec elle. En place. Oui. Je t'écoute. On était 12, on s'est incarné sur Terre, on est sorti de la Terre et on ne savait pas que parmi nous, il y avait un collaborateur. Le motif de cette incarnation à 12. Voir, est-ce qu'il y a la place aussi pour nous? On a entendu parler que plusieurs races humaines s'incarnaient ici. On voulait savoir que nous aussi, nous pouvons nous incarner ici. Oui ou non, vous êtes arrivés à vous incarner ensemble, à Oui. vous retrouver? Oui. Sur quelle partie de la Terre? Australie. Bien. Continue. Raconte-moi l'histoire. Donc, comme c'était mission de vérification. Quelles sont les conditions de vie sur Terre? Et on a décidé ensemble qu'on ne va pas s'incarner ici. Ce n'est pas la planète pour nous. Et on était en train de partir ensemble. C'est comme si on était déjà désincarné dans notre forme originelle. Donc vous vous attendiez les uns les autres pour partir? Ouais, on peut dire, il y avait l'endroit de gathering, de rencontre. Rassemblement. Ouais. Oui. Et on était déjà tous ensemble. Et à ce moment-là, l'un de nous, un homme, c'est comme si on voulait partir et il a dit non, on va attendre un peu. On ne savait pas pourquoi. C'est comme si d'un coup, il a pris commande, tu sais. Et il y a une navette qui s'approche. Et c'est comme s'il communiquait. On ne pouvait pas communiquer avec ceux qui étaient à l'intérieur, mais lui, il pouvait. Mais à ce moment-là, on ne se posait pas de questions. Et quand il a cessé de communiquer avec eux, il nous a dit il faut payer pour notre visite. Et on ne comprend pas. Payer pourquoi? C'est comme pour cette incarnation. Et quel est le prix? Et le prix, c'est d'offrir un de nous. Et il pousse Sophie. Pourquoi Il elle? pousse Sophie. Parce qu'il a dit, on va offrir le membre le plus. Comme dans la chaîne, il y a cette pièce la plus faible. Ce qui n'était pas vrai, on n'a jamais considéré Sophie comme la plus faible, mais je pense aujourd'hui que c'était un jeu mental, que c'était une manipulation. Et il l'a Pourquoi l'a-t-elle poussé. choisie, elle? Parce qu'elle est une bonne observatrice. Parce qu'elle a récupéré beaucoup de détails que peut-être nous avons omis. Continue.
Et on était, tu sais, on n'a rien fait, on n'a rien dit. C'est comme si on ne savait pas ce qui se passe. Et une seconde après, elle a disparu. Et Une seconde. on ne comprenait S'est-elle rien. soumise à ce choix? Il l'a blessée avec ses mots, qu'elle est la plus faible parmi nous. Et Celui cette qui a prononcé blessure. ces mots, c'est le traître de votre clan? Ouais, mais à ce moment-là, on ne le savait pas, on ne le comprenait pas. Et après quoi? Puisqu'elle disparaît. Il y a une confusion entre nous, je veux dire, on ne sait pas ce que, on ne comprend pas ce qui s'est passé, ce qui vient de se passer. On se déplace vers notre planète et on se rend compte que celui-là ne peut pas entrer. C'est comme maintenu, comme tu sais, autour de notre planète, on a deux systèmes de protection. Et c'est à ce moment-là que les autres entrent et lui non. On a compris que c'était un collaborateur. Bien. Depuis ce moment-là, elle reste sur Terre et vous quoi? Qu'est-ce que vous devenez? Et on cherchait à se communiquer avec elle. On ne pouvait pas. Pourquoi est-ce que vous l'avez... Non, comment avez-vous fait pour la retrouver? Est-ce que vous êtes là, tout prêt? On a cherché plusieurs personnes là, sur Terre pour communiquer avec elle. Mais ils ne sont pas tous comme avec l'honneur qu'avec ils ne sont pas tous comme bienveillants. Cette femme qui voulait absolument se faire entendre, pourquoi est-elle si virulente? Parce qu'elle est la plus en colère. Contre ce qui s'est passé? Alors que tu es avec moi en cet instant, est-ce que tu continues d'être et d'exister dans ton lieu d'origine? Est-ce que ces communications sont coûteuses? Non. Qu'est-ce que tu comprends de moi? C'est un essai, un de des centaines qu'on a déjà fait. Un essai, supporté par une intention. Tu ne peux pas limiter juste à un essai. L'intention transforme l'histoire. Toujours le cas. On veut seulement qu'elle sache était comme surpris. Qu'est-ce qui t'empêche de la toucher? Qu'est-ce qui t'empêche de communiquer avec elle? Il y a quelque chose en elle qui. C'est comme si elle était programmée à former un mur entre nous. Selon toi, pourquoi la maintiennent-ils Je sur Terre? pense que c'est ce qu'il y a dans notre système de communication. Son système de communication avec nous est bloqué. Pourquoi la maintiennent-ils sur Terre? Pour qu'elle dise pas. Pour qu'elle ne raconte pas des choses. Pour profiter d'elle. Tu es venu sur Terre, tu as pris possession d'un corps biologique. Qu'est-ce que tu as observé de cette terre? Quelle est ta conclusion? Pour nous, il faisait trop chaud. Juste ça? La chaleur? Ouais, c'était beau comme paysage, etc. Mais la chaleur, puis il y avait des animaux dangereux. Bien, tu me parles de l'habitat. J'aimerais savoir ton point de vue sur cette humanité terrestre.
Dommage parce que on ne savait pas que on ne pourrait pas voyager. Je veux dire, au début, avant de s'incarner, on avait cette idée que sur notre planète, qu'on va la visiter entière. Et une fois on s'est incarné, on a appris qu'on reste sur place. Et donc, on n'a pas trop exploré. Il faisait chaud, je me rappelle qu'il faisait chaud. À partir de maintenant, et vu que je suis considérée par vous autres, bah, comme une employée ou comme un essai, Ouais. vous allez vous contenter de rester à distance. Je vous interdis toute communication jusqu'à ce que je décide qu'il en soit autrement. Est-ce que les instructions sont claires pour tous? À part vie parce qu'elle s'énerve, mais oui. Dis-lui de continuer à s'énerver. Peu importe ce que sont vos intentions, peu importe qui vous êtes, je ne fais jamais confiance, moi non plus. Et je suis là pour cette seule âme. Est-ce qu'on s'entend bien? Oui. Bien. Oui. Tant que je travaille avec elle, vous restez à distance. Je ne veux pas sentir vos influences sur elle jusqu'à ce que je décide le contraire. Est-ce que On c'est veut clair? pas l'influencer, on veut lui dire pardon. Vous êtes avide de communication, avide d'expiation de vos culpabilités. Oui. Et ça arrivera au moment où je le jugerai le plus opportun pour elle. Est-ce que c'est Oui. clair? Bien. Yeah. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte. Déconnecté. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, bien. Que je comprenne bien, Milena. Parce qu'ils ont tenté une canalisation forcée jusqu'à... Ma personne a été dérangée par ces tentatives de canalisation invasive. Pourquoi est-ce qu'ils sont si virulents, tous, dans leur façon d'être? Virulent, ça veut dire quoi? Comme invasif, comme peu patient. Puisqu'ils veulent communiquer depuis très longtemps. Et ils se sont rendus compte que moi, je communique avec elle et tout de suite vous laisse comme... Se servir de toi comme relais. Ouais. Bien. Eux à distance, toi avec elle, et tu identifies immédiatement la conscience à l'origine de toute cette organisation interférente. Et sache à qui elle parle. La conscience qui dirige tout ce projet, c'est un humanoïde, mais sinon il y a plusieurs races dans la grande navette. Celui qui est responsable d'elle. Oh, c'est l'humanoïde tout de suite, c'est moi la responsable de tout et de tous. Bien, dis-lui de venir. Ah ouais. C'est fait? Approche-toi d'elle. De Sophie, tu dis. Exact, nous démarrions la session et j'ai bonne mémoire. Son corps physique attend un travail de nous, un travail certain et l'intention est posée. Ça signifie que j'ai un oui pour travailler. Ça veut dire que tu ôtes cette perturbation mentale et son accès à ses mémoires. Là maintenant. Oui. Et tu me Oui. dis ce qui se passe. Oh, d'un coup, c'est comme si elle se rappelait de tout, de tout, de tout, de toutes ses créations. Véritable qu'elle a fait et aussi de ses créations fausses. Mais elle sait qu'elles sont fausses et qu'elle était le sienne. Elle se Communique avec rappelle de elle toutes ses vies. télépathiquement. Dis-lui, regarde-moi. Regarde-moi. Oui. Reste centré. Oui. Elle doit comme définir une raison pour nos présences aujourd'hui. Une intention. Elle avait peur de détériorer son corps physique trop vite, de mourir trop vite. Bien. Maintenant que la connexion est légèrement rétablie, pourquoi sommes-nous là? Pour lui aider à cesser d'être confondu, d'être en angoisse constante. Bien.
Immédiatement, elle va regarder l'autre, celui-là qui vient d'être appelé. Elle dit qu'elle le connaît depuis très longtemps, qu'elle avait peur de lui, et elle est surprise parce qu'elle n'a plus peur de lui maintenant, et que c'est lui qui l'a fait souffrir, c'est lui qui la rend triste. C'est l'auteur de sa tristesse, c'est ce qu'elle dit. L'autre reste figé là avec nous. Ouais. Pose la question de façon plus franche, la partie subliminale. Autorises-tu notre présence et notre champ d'action, oui ou non? Ouais. Ouais. Bien sûr. Mais il est là, tu les laisses là comme un stand-by les deux, tu te concentres sur moi. Oui. J'ai besoin de collecter quelques informations. Oui. Certains êtres humains se contentent de vivre dans la solitude, d'autres cherchent à devenir pleinement des animaux sociaux. Elles intègrent, elles forment même, collaborent à une association. Pourquoi est-ce qu'elle a cette propension à ce type de création ou de participation? Elle toujours travailler en groupe. Je veux dire, ces êtres humains ne travaillent pas en solitude. Ce ne sont pas les hamsters, tu sais, c'est sont très sociables. Ensemble, le projet d'ensemble, de faire, ouais. Bien. Elle dit encore, même si je vais rester peu fidèle à ces mots, que finalement cet espace associatif était un espace comme une bulle de légèreté, un soupir dans sa vie. Et cette bulle a été l'objet de nombreuses difficultés, des décès, des trahisons. Oui, c'est précisément pour lui rappeler qu'elle a perdu, elle était trahie d'abord. C'est pour lui faire revivre ce qu'elle a vécu. C'est ce qui l'attriste, par exemple, dans cette histoire de femme qui a tué ses enfants. C'est les miens m'ont tué, entre guillemets, je veux dire, pas tué, mais comme m'ont fait disparaître du clan. Ouais, m'ont sacrifié. Okay. Ça signifie que ça aussi, ça revient? Ouais, je veux dire inconsciemment parce que ce drill faisait qu'elle ne savait pas pourquoi elle est triste. Là maintenant. Est-ce que la tristesse trouve une explication en elle? Oui. Ouais, qu'elle était comme même pas abandonnée, mais même rejetée, trahie par le sien, oui. Ouais. Dans cette scène dont nous avons parlé déjà, oui. Qu'est-ce qui explique la soumission immédiate au clan, à l'interférence? L'autre, celui qui a trahi, tu parles de ses tachets? Celui qui a trahi, à vrai dire, était connecté. Je parle d'elle. Pour l'autre, j'ai compris, mais pour elle, elle aurait pu dire non, je reste avec mon clan. Et elle écoute, s'est c'était tellement choquant, tellement quelque chose que impropre à eux, que anti-nature, contre-nature. Oui, anti-nature, que. Il savait quoi dire pour la blesser. C'est quelque chose qu'elle n'a jamais. Ils ne connaissent pas le rejet. Ils ne connaissent pas, tu sais, le rabaissement. Ils ne connaissent pas que l'un d'entre eux peut juger mal. Dévaloriser l'autre. Oui, oui, oui. Ouais. Est-ce qu'ils sont producteurs d'une énergie sexuelle? Non. Je veux dire, pas autant qu'on le comprend, nous, pour se reproduire. Je veux dire, chez eux, l'énergie sexuelle, c'est l'énergie purement créative, mais pas reproductive dans le sens biologique comme chez nous. Dis-moi une chose. Depuis... Ils n'ont rien, c'est comme Barbie dolls. Il n'y a pas de... Okay. Il n'y a pas de tout. Comme les y a poupées pas Barbie. Oui, oui, oui. Nous avons vu qu'il s'agissait d'une première vie tout à l'heure. Les autres sont partis, et elle, depuis combien de vies est-ce qu'elle est là? Ça, c'est 7e vie. Est-ce qu'il y a un dénominateur commun à toutes ces vies sur Terre? Qu'elle ne se rappelle pas grand-chose. Toi, oui.
Et elle Moi, je sens désormais, oui très aussi. fort qu'elle est plutôt sympathique, je veux dire, les autres l'aiment plus qu'elle s'aime elle-même. Elle se sent toujours comme si elle avait honte de soi, peut-être pas honte, comme si elle était shy, Timide. timide envers soi-même, je veux dire. Elle préfère rester dans l'ombre. Pour tout ce qu'elle a vécu dans cette scène dont on a parlé. Qu'est-ce qu'elle a créé quand elle s'est séparée des autres? Tu as parlé de la tristesse, c'est l'unique émotion. Il n'y a pas de, y a pas de place pour moi. Les miens ne me veulent pas. Est-ce que ça définit, est-ce que ça influence la personnalité de la femme qu'elle est aujourd'hui? C'est Cette mise en retrait. Oui. Bien. Donc, plusieurs vies. Et une question forcément doit venir à l'esprit, Milena. Quand on voit sa peau, quand on voit l'absence de vie sexuelle, qu'est-ce qui explique au bout de cette vie qu'il n'y ait pas un phénomène accostumbrar d'adaptabilité à la condition humaine, à ses nécessités, à son fonctionnement biologique même? Parce que inconsciemment, elle c'est pas chez moi. Donc, Je il y a ne une forme suis de pas chez moi. rejet. Inconscient, oui. Dis-moi, comment est-ce que C'est tu te pas sens? ma maison, cette terre. Bien, 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 je me sens bien. Je me sens bien. Elle est douce. Elle est douce de la nature. On est avec elle déjà depuis de longues minutes. Il y a un mot qui n'a pas été prononcé, que je vais prononcer maintenant, et tu vas te laisser porter. Angoisse. Depuis toute petite. Le drill, le fait que rien n'est stable, tu sais, que tout change de seconde en seconde, c'est l'angoisse, oui, c'est l'angoisse. De plus, elle oublie, elle ne sait pas pourquoi elle est sur Terre, pourquoi elle est incarnée dans cette famille. C'est comme si cette première incarnation, il savait parfaitement pourquoi il venait, où il s'incarnait, etc. Bien sûr, il y a certaines choses leur ont surpris sur Terre, mais il y avait une Cohésion. l'intention d'être sur Terre. Et maintenant, elle a oublié pourquoi, elle oublie tout, constamment pourquoi elle est sur Terre. Elle est, oui, vraiment comme Alzheimer, comme je me rappelle ce qui s'est passé il y a 5 minutes. Je me rappelle pas. La sensation encore pour son corps physique d'avoir commis une faute grave. C'est pas la ouais, c'est auto-accusation. Qu'est-ce que j'ai fait pour être rejetée, pour être la seule nommée, tu sais, membre faible. Elle a très peur d'être jugée. C'est pas peur de faire une erreur, mais après d'être jugée comme celle qui est la plus faible et qui est responsable pour qui est la source de déception. Inspire. Oui. Maintenant, quelques points physiques sur lesquels, pardon, on se penche. Une fragilité au niveau du foie. Elle a une nature douce au niveau subtil. Mais au niveau physique, il est absolument indispensable de verbaliser, de montrer la colère, de montrer la frustration. Elle ne le fait pas comme il faut et ça s'accumule, cette frustration, cette colère s'accumule en elle. Elle ne le Et fait pas comme il faut ou elle ne le fait pas du tout. non, je pense qu'elle le fait un peu, mais pas comme la plupart de la colère reste en elle. Donc, il faudrait apprendre à quand même Exprimer. exprimer, oui. Vertige. The drill, ah, ce truc. Ouais. Les problèmes de peau. Mais moi, je disais, ce sont ces bactéries. Restons un instant sur ça. Rappelle-moi quel est l'objet de
le but plutôt de cette expérimentation, Milena? Eh bien, j'ai compris. C'est précisément ça ce qui bloque Couper le la contact avec les communication. autres. Ouais. Au-delà de l'impact que cela procure, tu parles de leur créature dans ces tâches de créature? De bactéries, tu Je as veux dit? dire, c'est comme si c'était vivant, mais tu ne ressens pas la conscience, je veux dire. C'est comme si Ok. c'était. Ouais. Est-ce qu'il y a un autre impact ou uniquement celui-là? Mais moi, je pense que ça l'impacte énormément parce que quand ces tâches sont malades, c'est comme si elles ne s'identifiaient pas proprement. C'est pourquoi elles se rabaissent. Elles Se se sentent dévalorise. malades. Ouais. Ok. En dehors de ce drill, donc je ne sais plus comment on dit, cette espèce de tournoi, bref, ça va revenir plus tard, sûrement. C'est pas très important. Est-ce qu'il y avait autre chose dans son corps ne lui appartenant pas? Oui, il y a plusieurs implants, mais celui-là était le plus important. Et moi, j'appelle ça bactérie parce que je ne sais pas comment l'appeler. Corps sexuel implanté, oui ou non? Oui, il y a un implant, oui. Quel est l'intérêt puisqu'il y a une absence de production? Pour ne pas pour bloquer de la faire profiter de la sexualité physique. De ce qui est biologique sur Terre. Ok. En aspirant profondément, ce que j'aimerais faire maintenant, ça serait avoir l'opportunité de discuter un instant avec elle, avec Sophie. Oui. Tu me permets? Oui. Alors laisse-moi avec Sophie. Sophie. Oui. Qui suis-je moi? Quelqu'un qui me permettra de comprendre ce qui se passe avec moi. N'est-ce pas déjà le cas? Oui, petit à petit, je commence à comprendre. Est-ce que ce prénom, Sophie, te correspond? Oui. Est-ce que tu Oui, c'est sens... fille qui est importante parce que mon nom était fille. Est-ce que tu sens ton empreinte sur Terre, tes interactions avec ce système terrestre? Là maintenant. Mais moi, c'est comme si c'était des nanosecondes quand j'ai connexion avec ce Oui, mais qui se là passe. maintenant. Là maintenant. Là, maintenant, je suis focalisée sur toi et sur ce travail. Donc, il faut me dire qu'est-ce que je dois vérifier sur Terre. C'est ce que j'essaie de faire. Je parle de ton corps, de ton identité. Moi, je perds pour mon corps que. Ce qui se passe avec moi ici, ça dérange. Mon corps biologique. Alors rends-toi compte, j'ai posé moi une intention ferme à l'égard de ce travail pour lequel j'ai été mandatée. Je n'ai pas l'intention de faire en sorte que les deux corps se déconnectent. Ce n'est pas mon intention. Bien au contraire. Regarde ton corps, il y a une sorte de présence spectrale. Encore. J'aspire à ce que tu sois installée, ancrée, dense dans ton corps pour pouvoir te manifester à travers lui. Oui, moi j'aime Sur bien cette mon terre. corps. C'est rare. Merveilleux. Parce qu'il y a un instant, tout ce que je ressentais, c'était une forme de rejet inconscient à l'égard de cette Non, humanité. non, 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 c'est pas moi, je rejette pas mon corps. Au contraire, j'aimerais avoir possibilité d'être plus souvent consciente dans mon corps. Mais la terre n'est pas ma maison, c'est tout. Bien. Je crois Ouais. qu'elle n'est la maison d'aucune âme, vois-tu, ou de très peu Oh non, d'entre elles. certains la considèrent comme sa maison, mais. Mais elle n'est pas vraiment la maison des âmes. Oui. Donc il va falloir créer une forme de paix à l'égard de ton passage sur Terre, puisque je pense qu'il s'agira d'un passage. Parlons de ceci maintenant. Qu'évoque pour toi la trahison?
Honte, douleur, tristesse. Bien. Voilà ce que tu vas faire maintenant. Il y a là tout près quelques-uns qui souhaitent te parler. Dis-leur que je leur autorise l'approche désormais. Et tu me dis ce qui se passe. Ils ne peuvent pas parler seuls. C'est comme à travers vous, seulement. Ils peuvent. Pleure. Qui sont-ils? C'est mon peuple. Vient de ma maison. Tu les reconnais tous? Je permets le relais d'informations. Entre eux et toi, ces plaques sur ton corps, ces expérimentations, cessent d'exister. Disparaissent. Je le vois. Pleure. Je suis très désolée. Pas de trahison, donc. Pas par eux. Pas par eux. La colère? Le rejet? L'abandon? Non. Ils te cherchent depuis longtemps. Ils sont là depuis longtemps. Et ils disent qu'ils m'attendent dès que je serai prête. La maison m'attend. En effet, dis-leur encore qu'il est inutile de rester en état de projection sur Terre. C'est coûteux énergétiquement pour eux. Tu sais, toi, parfaitement le chemin de cette maison. Bien Ils n'ont sûr pas que besoin je de sais. rester. Ils n'ont pas besoin de rester. Ils aimeraient, mais ils ne s'opposent pas. Ils aimeraient, en effet. Et tu t'attardes un instant sur moi. Oui. Sur l'essence de mon travail. Oui. Parce que rends-toi compte. D'autres êtres sont capables de se substituer à ce clan, se faire passer pour eux, dans tes espaces de rêve, pourquoi pas de cauchemar, pourquoi pas à la fin de ta vie, alors que tu vas rester quelques secondes dans cet état de confusion, d'autres pourraient profiter de l'aubaine. Mettez-vous d'accord, tu trouveras toi-même seul le chemin de la maison. Personne ne viendra pour toi. Bien C'est bien sûr. mieux ainsi. Je connais parfaitement le chemin à la maison. Parfait. Dis-leur qu'il n'y a rien à pardonner. Ils peuvent partir et t'attendre en paix. Ils ont compris ça. Mais pour eux, et moi j'ai compris aussi qu'il faut exprimer des choses. Pour eux, c'était le plus important d'exprimer, de savoir que j'entends leurs mots. Eh bien, quand ils disparaissent, dis-le. Oui. Sans calme. Bien. Sans calme. Par le passé, il y a une forme d'autorité qui a pris l'ascendant sur toi, qui t'a dit quoi faire et qui t'a dit où aller. Écoute ça. Ni sur cette terre ni ailleurs, aucune autre conscience n'aura plus jamais l'ascendant sur toi. Jamais. C'est un droit fondamental.
un droit inhérent à toutes les âmes. Tu l'intègres maintenant et tout type d'interférence disparaît. Oui. Intègre-le. Oui. Je ne reconnais comme autorité que la mienne propre. Oui. Comme souveraineté que la mienne propre. Cette personne ne peut me juger ou inférieure. Intègre-le. Parce que je suis très indispensable à moi-même. En intégrant cette pensée, la définition de toi-même se modifie. L'influence, toute influence d'un autre dans ton corps. C'est comme si une nouvelle force s'installait en moi. C'est comme si, en fait, je retrouvais le sens d'exister. Que, bon, même si mes racines sont ailleurs, je suis comme un pèlerin, on dit. C'est ça, de passage. Ouais. Une expérience. Et puis souviens-toi, le but de tout ceci, c'était tout de même d'avoir des histoires à raconter en rentrant. Ah oui, sûrement, et la marrant à entendre, oui, bien sûr. Une histoire de plus, n'est-ce pas? Oui. Ouais. Laisse-moi avec Milena. Milena déconnecte. Nous sommes en 2024. Oui. Il y a une inspiration profonde, tu reconstitues tes fréquences. Nous sommes dans le présent et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Oui, je me sens très bien. Très, très bien. Sûr? Oui, parce que tout est calme, enfin. Bien, regarde-la. Elle fait une chose incroyable parce qu'elle est en même temps dans son corps, protégeant son corps, nourrissant son corps, etc. Mais en même temps, c'est comme si elle a fait une balade aux alentours de la Terre, dans le cosmos, pour penser, pour, tu sais, se restituer, etc. C'est comme, ouais. Si, c'est comme si elle était, sanatorium, c'est pas le bon mot, mais tu sais, comme... Centre de soi. Ouais. C'est une balade pour se recentrer, oui. Observe ce qui nous intéresse à ce stade de la session, puisqu'il a été question de programmation et puis encore d'implants. Non, les implants ont disparu. La programmation de ces êtres, de cet humanoïde, tout a disparu. C'est comme si elle cherchait en elle, mais pas par force, mais c'est comme si elle attendait que spontanément il lui arrive une nouvelle intention pour être sur Terre. C'est comme si elle avait besoin intérieur d'être comme inspirée pour être ici. Et c'est pourquoi elle fait va-et-vient comme une philosophe. C'est en attendant l'idée d'être en elle. La vois-tu connectée directement ou indirectement à une quelconque autre conscience? Non. Elle est en toute tranquillité. Toujours dans son corps physique, n'est-ce pas? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a la notion de mise en retrait, de solitude, où elle se donne vraiment une opportunité? Non. Dans cette expérience? Non, elle se donne. Ce rabaissement a complètement disparu. Bien. Une inspiration profonde. Et une projection dans le futur pour Sophie avec cette condition-là. Profiter de cette vie, faire le plus de connaissances que possible, parce qu'elle a compris que la plupart d'humanité vient de différents coins de l'univers et c'est bien de connaître les gens. Les gens sont fascinants. On se côtoie ici. Ouais. Par exemple, elle dit sur ma planète, ce serait impossible. Si tu n'es pas nous, tu ne peux pas y entrer. Et ici, c'est possible. Donc, je veux connaître de plus en plus de gens.
bien. Une transmission à travers toi, corps subliminal au corps physique. C'est comme sois fier de soi, de soi-même. Je te protège, donc je me protège. Et je prends soin de nous. C'est comme si elle souhaitait le meilleur comme sensation pour le corps physique, d'être dans cette matière physique. Bien, tu inspires profondément. Oui. Tu salues Sophie. Oui. On rentre. Oui. Chacune dans son œuvre de création. Et puis tu entends ce 1 et tu marques la déconnexion complète, totale de tout, de tous déconnectés. Une profonde inspiration et la magie dans ton corps. La magie en quelques secondes à peine. Une intention est posée et la magie opère. Dans chaque cellule de ton corps. Un retour dans une condition idéale. À 2, tu marques l'ancrage au corps physique, tout aussi bien calme et ravi. Ravi de revenir pleinement à 3 dans le présent. Ah oui, je suis là. Et comment ? Très bien, merci. Très, très bien. Sophie, la même question pour toi. Comment ça va ? Eh bien, ça va très bien. Moi, je suis très émue. Pardon. Je suis très émue par tout ça. Et très touchée. Et vraiment, merci beaucoup. Voilà, c'est un peu... Je suis sur le coup de l'émotion, mais... Mais c'est beau à l'intérieur de moi, quoi. Bien. Merci beaucoup. Un plaisir pour nous de t'avoir accompagnée, Sophie. On reste sur notre idée de départ avec ce petit travail en plus que tu m'as demandé. Inhabituel, mais je vais le faire quand même. Ah. Ce petit floutage d'une seule ah, partie oui. de l'écran. Ah oui, oui. Oui ? Oui, oui, oui. Bien. Donc, sans flouter l'image sur l'écran, on reste sans floutage. Oui. Parfait. Bien. Merci. Je te garde avec nous, Sophie. On est ravis que tu nous aies choisi, nous, pour cet accompagnement. C'était différent aujourd'hui encore. Oui. Reste là. Milena, merci.